avant les pains. Il y aura un fou de pain. Tout ce que vous voyez là, la télé. Je vais mettre trop de grains, elle va trop ralentir et malheureusement je ne peux pas aller mettre plus d'eau sur ma roue. Donc c'est moi qui dois donner le juste effort. Ici, on est une roue dite dessus, l'eau arrive par-dessus la roue et remplit des bacs.
En fait, on peut faire comme ceci parce qu'on est dans une région semi-montagneuse et donc on profite de la déclivité du terrain pour arriver à avoir l'eau au-dessus de la route. Et on crée une chute d'eau parce qu'en fait, on a un canal qui fait un bief, comme on appelle ça, qui fait 700 mètres, qui permet de stocker de l'eau, d'amener l'eau à la roue du moulin, mais aussi de garder le niveau sur 700 mètres. Et on arrive à créer une chute d'eau de 4 mètres. Donc ça, c'est plus de pression. Donc en fait, nous, on a besoin d'un débit beaucoup moins important pour développer la même puissance. Les roues dites dessous, donc c'est dans les régions, en général les régions pleines. Et là, en fait, l'eau ne fait que pousser des pales de roues. Mais là, on a besoin de débits d'eau beaucoup plus importants et c'est des roues beaucoup plus grandes, d'ailleurs, pour développer la même puissance que nous. Et donc, ben, celles-là, bien souvent, elles se trouvent sur des cours d'eau, directement. Ah, on fait ce qu'on veut une fois qu'on a appris à décortiquer, hein. Moi, je ne sais pas ce que vous allez en faire.